la rue telle qu'elle se présentait en 1953. Avec Parrain et Bobonne. La Chrysler 1938 de Parrain et Bobonne. On abat des arbres dans la propriété à l'air en face de la maison. Le château est encore debout. Mais plus pour longtemps. Notre premier Opel, 1955. L'arrivée du matériel de Tedesco, 1959. La propriété sera transformé pour en faire un lotissement. Les bouches de l'avenue Wanser et le coin de Fabricum.
L'année 1959 fut une année de grande sécheresse. L'arrachage des pavés datant, paraît-il, de Charles le Téméraire. Le dynamisme des ouvriers communaux. Les paveurs, eux, sont payés à la pièce par une entreprise privée. L'inauguration de l'avenue Paola par le bourgmestre duc de Kaiser et l'ambassadeur d'Italie. Saint-Nicolas est passé pour toute la famille Artiges. Romain, Marc, Thierry, Dani, Martine,
Marc, Anne-Marie, Jean est prisonnier des Indiens. Neige, avenue Paola. La descente de l'avenue Paola, depuis la rue Victor Allard. Avenue Jongen. Au rond-point de l'avenue Jongen. La rue s'est bordée de nouvelles constructions. Michel vient d'acheter sa nouvelle coccinelle, la rentre au garage en face et nous amène Daniel. Thierry et son vélo Peugeot. Les stationnements se font rares. Nos garages, achetés en 1973, après 3 ans de pétition, nous avons obtenu le sens unique en montée.